Aujourd'hui, il y a très très peu de musiciens stars qui finalement ont inscrit leur nom comme ça au palmarès de la chanson ou de la musique. Jean-Pierre fait partie de ces musiciens qui ont une qualité de jeu, une qualité d'interprétation, une qualité d'écoute suffisamment forte pour être demandé à l'étranger. L'un des rares artistes français à être entré au top des ventes de plus de 35 pays, dont les États-Unis, où il s'est plusieurs fois classé dans les hit-parades d'iTunes, mais surtout au prestigieux classement du Billboard avec son titre « The Pink Side of Miss Daisy ». Ma maison de disque me disait « son disque marche très bien ». Donc voilà, j'étais heureux parce que bon, voilà, c'est bien, c'est sympa, quoi. C'est un peu la famille. Et quelque chose qui m'impressionne, c'est la façon dont il monte les notes avec le vibrato. Et c'est pas facile à manier, quoi. Jean-Pierre le fait vraiment très bien. Ce son que Jean-Pierre va chercher avec ses doigts, avec sa main gauche, sa main droite, son jeu de vibrato qui est très très subtil. Le son de Jean-Pierre, il est exceptionnel. Je suis un grand admirateur de son toucher de vibrato. Lorsque sort Guitar Connection de Jean-Pierre Danel, c'est la première fois en France qu'un album de cette catégorie est numéro 1 au top des ventes, c'est-à-dire top 50 des charts. Dans tous les pays où j'ai mis les pieds, on me parle de Jean-Pierre. Il a une très 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 grande cote et les gens l'aiment beaucoup et voient tous les disques, tous les prix, tous les disques d'or, etc. Et j'étais complètement estomaqué qu'un garçon joue avec un tel feeling, un tel doigté, le grand guitariste, sinon le plus grand à mon avis, en France. Il faut quand même dire que vous êtes un des grands guitaristes de cette planète. Tu as même reçu 2 awards aux États-Unis, ouais. C'est assez hallucinant, ça doit être un souvenir unique, enfin, c'est une reconnaissance quand même. Oui, bien sûr, bah, c'est quelque chose qui fait évidemment plaisir. Le fait d'être français, c'était un peu inhabituel dans ce genre de cadre-là. Tu as cru dès le départ ou au début tu t'es dit, je suis peut-être un petit peu un ovni dans le milieu du disque, parce que bon, c'est vrai que maintenant on voit que ça marche, donc ça paraît naturel de dire que c'est évident. Non, c'était très inattendu. Enfin, sur Guitar Connection, c'était très inattendu. Si les gens aussi compétents, aussi doués, Que Michael Jones, que Louis Bertignac, que Axel Bauer, que si on part à l'étranger, des nombreuses personnes, guitaristes internationaux, que ce soit Brian May, que ce soit Hank Marling, que ce soit Albert Lee, que ce soit beaucoup d'autres qui. La double, c'est pas un hasard, c'est parce que il est égal de tous ces grands guitaristes. Hello JP, Brian here. Just wanted to add my congratulations for your amazing, quintessentially classic guitar tones as found on this epic performance. Ce qui fait que Jean-Pierre a pu avoir l'adoubement d'un certain nombre de guitaristes tels que Hank Marvin ou Brian May ou des gens comme ça, c'est, je pense que c'est l'intelligence avec laquelle il aborde le sujet. En fait, ce qui fait que Jean-Pierre a au minimum cette sympathie-là et au plus le respect de ces gens-là, c'est que lui-même a une grande culture de ces choses-là et il les respecte énormément. Donc l'intelligence de bien les utiliser, parce qu'il y a aussi beaucoup d'intelligence là-dedans. Bon, on connaît le succès de Jean-Pierre, il n'est pas, y a aucun problème. Il a vendu des centaines de milliers d'albums de guitare en France, qui en soi est un exploit. Il a quand même bizarrement plus de succès au niveau de ses albums à l'étranger qu'ici, parce qu'il est apprécié bien au-delà de nos frontières. Hi Jean-Pierre, this is Hank Marvin calling your concert in your loft. Love those numbers you do. J'ai passé un tel moment exceptionnel avec toi sur scène. On recommence quand? Je suis très fier. C'est tout un parcours que Jean-Pierre a, et les gens ne le savent pas. Il ne se met pas devant sur la photo. Peu de personnes peuvent imaginer que ce garçon est un des plus gros producteurs privés de France. Il suffit de rentrer dans son bureau, il y a des disques d'or partout, il y en a même des dizaines, pour ne pas dire des centaines. Jean-Pierre, aujourd'hui, fait partie des figures qui ont marqué la production d'albums cultes, puisqu'il a travaillé avec énormément d'artistes. Ce qui m'a toujours halluciné avec Jean-Pierre Danel, c'est ce côté indépendant, mais indépendant qui travaille vraiment dans le sens du public avec des compiles qui vendent encore. Enfin, voilà, c'est un gros indépendant, l'un des plus gros indépendants français. Jean-Pierre fait partie de ces grands monstres de la guitare. C'est d'abord un grand travailleur, et il n'y a pas de réussite sans travail, ça on le sait. Donc c'est un très grand producteur, c'est un immense guitariste.
tout le monde dans l'univers de la musique le reconnaît. Jean-Pierre, c'est le bon copain dont on ne soupçonne pas qu'il a un tel talent et qu'il produit autant de choses, parce qu'il a fait, si je dis pas de bêtises, mais je crois qu'il a fait plus de 160 projets de disques d'or. Enfin, il a un pédigré qui ferait pâlir les plus grandes stars. On a tous les deux cet esprit d'entreprise, dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'évidemment on est musicien, on aime la musique, on aime la guitare, mais on aime entreprendre, et quand on a une idée, quand on a un projet, on n'attend pas spécialement que quelqu'un le monte à notre place, et on le fait nous-mêmes. Et c'est grâce à ça, évidemment, qu'il a tous les succès qu'il a eu jusque-là. Le 15 mai 2014, Jean-Pierre Danel a reçu chez Sony Music un multidisque de diamant pour ses 25 ans de carrière de producteur, 191 disques d'or et platine et 23 300 000 disques vendus dans le monde. Ça, c'est une performance, ce sont souvent les chiffres qui confirment le succès et surtout les carrières. C'est une sorte d'alchimiste, il prend du plomb et le transforme en or. Oh, voilà, Jean-Pierre. Félicitations, Jean-Pierre. Il a fait plein de disques, il a eu plein de prix, qu'il était classé au Billboard américain, qu'il ait des disques d'or. Bref, c'est une star de la musique et beaucoup de gens le réclament. En musique, il y a des moments comme ça, on ne sait pas pourquoi, il y a des instants magiques qui se créent. Et voilà, j'ai eu vraiment beaucoup, beaucoup de chance, déjà parce que Jean-Pierre est un virtuose. Et en plus de ça, parce que voilà, c'est vraiment une très, très belle personne. Il est gentil, il est généreux et je sens que ça se ressent vraiment, vraiment quand il joue, et c'est peut-être pour ça qu'il est aussi bon, quoi. Je remets donc officiellement à Jean-Pierre Danel un disque de platine pour le DVD. Ouais. J'adore, et surtout un excellent instrumentiste qui joue très, très bien. Que j'ai invité deux, trois fois à mon émission. Et je pense que son DVD de platine est amplement mérité. Ce qui m'a tout de suite frappé chez Jean-Pierre, c'est ce côté avant-gardiste, quelqu'un d'extrêmement visionnaire, parce que j'ai travaillé avec lui sur Guitar Connection il y a 12-13 ans. À l'époque, autant vous dire que personne ne souhaitait produire ou commercialiser un disque de guitare. Lui seul, sans doute, y croyait. Et à la faveur de 150 ou 200 000 ventes, très rapidement, il a été double disque d'or, puis triple disque d'or, et on connaît derrière ce que sera la saga Guitar Connection. Et j'ai découvert avec émerveillement le talent et aussi le succès extraordinaire de Jean-Pierre. Il y a, bon, évidemment, tous les spécialistes, tous ceux qui, professionnels ou amateurs, aiment la guitare, bon, qui apprécie sa virtuosité, le son Jean-Pierre Danel, tout le monde en parle, et à juste titre. Voilà un garçon, bon, dont le monde entier de la musique chante les louanges, et les plus grands, bon, qui a je ne sais combien de disques d'or, à qui un coffret de 10 CD a été consacré, qui fait les beaux jours du Billboard, etc. Vous êtes le guitariste solo qui vendait le plus d'albums en ce moment en France. J'ai finalement rencontré quelqu'un, malgré tous ces disques de diamants et de platine, quelqu'un de comme tout le monde. Un multidisque de diamants. C'est la consécration, en fait, pour un quart de siècle de carrière. C'est une jolie récompense, ça m'a fait plaisir, ouais, c'était très sympa. Ouais. Du sol au plafond, hein. Du sol au plafond. C'est ça. Du
ici, c'est un petit peu tout le fruit de ton travail. Ouais, c'est ça. C'est que j'ai empilé les choses que j'ai reçues au fur et à mesure des années. C'est laquelle de récompense qui est la plus importante à vos yeux? Celui qui m'a touché le plus, alors c'est pas parce que c'est le dernier, mais c'est le DVD live, parce que le concert, c'est une chose que j'ai fait pour ma fille. Et vous avez aussi bien joué en solo que en duo, en tout cas avec d'autres artistes. Je vois Louis Bertignac, Axel Bauer. C'était mon album de duo avec Laurent Voulzy, avec Hank Marvin des Shadows, avec Paul Persson, avec Axel Bauer, avec Michael Jones. J'ai eu la chance que plein d'artistes acceptent de venir chanter mes chansons ou faire des reprises ensemble, jouer de la guitare avec moi. C'était très très agréable, c'était une belle aventure. Jean-Pierre Danel, je connaissais de réputation, pas personnellement. Là, je sais que c'est un grand guitariste, qu'il a fait beaucoup de choses pour la musique. Jean-Pierre Danel joue sur le même ampli que Keith Richards, ce qui m'a démontré de manière définitive, même si je n'en doutais pas, que c'était un homme de goût. Donc quand j'ai su qu'il allait faire son nouvel album, je me suis permis de lui demander l'autorisation d'avoir le plaisir de venir jouer sur une de ses chansons. J'aime bien aussi chez Jean-Pierre, c'est son éclectisme, quelqu'un de très curieux. Et j'ai publié une biographie de Sacha Guitry par Jean-Pierre il y a quelques années. Une biographie qui a été saluée par l'ensemble des amis de Sacha Guitry, des cercles littéraires. Bon, c'est quelqu'un qui a beaucoup de connaissances. Partons à la rencontre de Jean-Pierre Danel, biographe de Sacha Guitry et fin collectionneur. C'est l'une des cannes de Sacha Guitry qu'il avait dans les années 20. D'où vous vient cette passion ? C'est fascinant, des gens qui ont une telle répartie, qui synthétisent en une phrase ce qu'on mettrait 4 pages à dire. Tu m'as aussi donné ton livre sur Sacha Guitry, que j'ai dévoré, que j'ai trouvé épatant. Donc je trouve que c'est déjà rare pour un bon musicien, un excellent musicien, de savoir aussi écrire des livres. Et nous avons immédiatement sympathisé parce que nous avons la même passion pour les animaux tous les deux. C'est la première personne que j'ai rencontrée qui était végétarienne. J'ai trouvé ça extrêmement instructif et 15 ans plus tard, on voit à quel point il avait déjà raison.